Stop. Putain, mais c'est quoi cette merde? Vous êtes con ou quoi? Pourquoi vous m'arrosez là? Merde, mais tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fous là? Ça vous regarde pas. Tu plaisantes là? Tu es chez moi ici, hein? De quel droit tu es sorti ce matin? C'est pas un moulin ici. Je te préviens, tu ne seras pas payé. Mais franchement, je m'en branle, j'en ai rien à foutre, ok? Et pourquoi tu n'es pas à ton foyer? Parce que je suis arrivé en retard, c'était fermé. C'est mort. Qu'est-ce que tu racontes, là? Bon, je les appelle tout de suite. Non, 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 si vous les appelez, je leur dis que vous m'avez forcé à replonger. Ah oui, tu me fais du chantage? Et vous m'avez fait quoi, vous? Bah, fallait pas accepter. Putain, vous foutez de ma gueule ou quoi? J'ai eu le choix, moi? Vous savez quoi, vous pensez qu'à votre petite gueule et à vos petites roses de merde? Bon, je les appelle. Attendez, attendez, attendez. Si vous les appelez, je suis vraiment dans la merde, moi. Je dérange personne, là. Si, moi. Vous êtes une putain d'égoïste, en fait. Je te permets pas ça. Ah bon? J'ai pas passé ma journée à glander, moi. Vous en savez quoi, vous, de ma journée? Vous voulez que je vous la raconte, ma journée? Je vais voir mes parents. Voilà. Ils sont pas venus. J'ai attendu pendant des heures. Parce que moi, mes parents, je sais pas où ils habitent. Ils répondent plus au téléphone. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 putains de piges que je les ai pas vus, mes parents. Ça vous va comme journée?